Et bonjour tout le monde, c'est El Professeur Oxymos aujourd'hui pour un nouvel épisode du RP École, les amis, le troisième épisode si je ne me trompe pas. On est en compagnie de toute la classe, les amis. Bonjour à tous les élèves, j'espère. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Hola. Bon allez, bonjour à tous. Aujourd'hui les amis, enfin aujourd'hui les élèves, eh bien c'est photo de classe. Et oui, là la photo de classe, eh bien elle va être vraiment vraiment bien. Vous allez voir, on va faire la plus belle photo de classe. Donc j'espère que vous avez pris des jolis habits, j'espère que vous avez fait des belles coiffures et tout, parce que là elle va être attachée là, la photo de classe, toute l'année, hein. C'est bon, vous êtes fait beau? Ouais. Ouais, moi je suis beau. Je suis pas peigné ce matin. Ah ouais, bah il faut se faire beau, hein, sinon vous allez être tout moche sur la photo de classe. Donc j'ai mangé des pâtes au sucre ce matin. Ah bah on connaît ton régime alimentaire, pâtes au sucre, on t'appelle pas comme ça pour rien. Bon les amis, ouais. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, je compte sur vous pour ce nouvel épisode du RP prison. Et je suis trop habitué du RP école. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours. D'ailleurs en parlant du RP prison, c'est tous les samedis à 10h et le RP école c'est tous les mercredis à 10h, vous connaissez. Tous les mercredis, RP École. Donc voilà, j'ai dit qu'on allait faire la photo de classe. Donc ça va être fait. Mais avant, je tiens à faire l'appel. Donc je vais faire l'appel. Voilà, je prends le livre d'appel. Alors, j'appelle pâte au sucre. Présent. Pâte au sucre, présent. Ok. Darcy Tam. Bah, c'est moi. Ok. Black C, tu me réponds quand je te parle? Ouais, je sais que t'es là, mais il faut quand même me répondre. Bon, présent ou pas? Présent. Ok, Camille. Oui, je suis là. Camille, présente. Yanis. Bon. Tiens, Yanis, j'ai un. Je vais te parler d'un truc après l'appel, Yanis. Tu fais un peu le malin. Alors, bon, Yanis. Ok, alors, Hélène. Hélène, ok. Ouais, elle est c'est là. Eden, non Eden. Eden. Ah oui, Eden, pardon, je me trompe tout le temps. Eden. Oh, non, non, non. Pardon. Vous abusez. Et. Pâte au sucre, Eden. Oh, pâte au sucre, ouais, c'est vrai. Et Vladimir, donc le fils de Dimitri. Ouais, ça va? Ya, ok. Et on parle français ici. Ya. Bon, juste avant, la semaine dernière, vous n'étiez pas tous là. Il y en a certains qui étaient présents. Par exemple, Darcy Tam, pâte au sucre, il me semble. Black C était là. Mais l'autre moitié de la classe n'était pas là. J'avais convoqué juste certains, ceux qui avaient des difficultés pour un test d'intelligence. Donc, ceux qui avaient l'air, tous ceux qui étaient intelligents, n'étaient pas là la semaine dernière. Je trouve ça normal. Sauf qu'il y a une personne qui a dérogé à la règle qui n'était pas là, alors qu'elle devait être en cours. C'était Yanis. Yanis, toi, tu. Comment ça, vous avez jamais rien reçu, monsieur Yanis? J'ai rien reçu, j'ai pas reçu la convocation. Yanis, t'as reçu la convocation. Arrête de me mentir, t'as dû la jeter dans la poubelle. Tu devais venir la semaine dernière pour faire le test d'intelligence. Du coup, maintenant, je sais même pas où te placer, si t'es un bon élève ou t'es un mauvais élève, parce que j'ai que les notes de l'année dernière pour te situer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de test pour savoir des bêtes. On sait pas s'il est bête. Justement, vu ses notes de l'année dernière, je pense, mais il faut quand même qu'il fasse un test de rattrapage, quoi, pour savoir s'il doit travailler plus que les autres ou pas, avoir plus de devoirs ou pas. Donc maintenant, comment je fais, Yanis, hein? Comment je fais? Je sais pas, je viens plus tard. Tu viens plus tard? Non, tu viens plus tôt, ouais, c'est quoi ça? Bon déjà, je te félicite d'être à l'heure aujourd'hui, hein, voilà, parce que c'est pas tous les jours que t'es à l'heure, donc merci d'être à l'heure. T'as rien volé aujourd'hui? Non, j'ai rien volé. Ok. Bon, du coup, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la photo de classe. Parce que c'est le début d'année, il faut pour les photos, pour la carte scolaire, etc. Et d'ailleurs aussi, on fera dans la semaine prochaine, on fera les élections des délégués. Voilà. Donc on va élire un délégué, donc ça sera le chef de la classe et c'est lui qui prendra toutes les responsabilités, etc. Donc déjà, est-ce que là vous êtes chaud pour la semaine prochaine faire l'élection des délégués? Ouais. Ouais, grave. Ouais. Ok. Moi je veux pas être choisi, moi. Tu veux pas être choisi? Eh ben tu seras choisi.
Bah non, alors, il faut voter pour quelqu'un évidemment qui veut se présenter. La semaine prochaine, on fera des discours, etc. Hein. Il y aura vraiment des trucs, il faut préparer un discours. Donc c'est pour ça que je vous préviens maintenant, pour ceux qui veulent se présenter, préparer un petit discours, ça sera la semaine prochaine, ça sera mercredi prochain à 10h. Déjà fait. C'est déjà fait, bon, ouais. Ok, ouais. Alors avant de partir faire la photo de classe, on va aller dehors, mais avant ça, je tenais à remercier Ufolu, Wild le Pro, Cloxiu, Sabrina, Noliako et Kuxi. Donc voilà, ça c'est des abonnés qui ont fait des dons pendant un live où bah justement j'ai fait la cour d'école. Voilà, à chaque fois que je fais un live en rapport avec l'école où j'améliore, je construis l'école et tout, et bien tous les donateurs, je les note au tableau. Donc merci beaucoup à vous, ça fait trop plaisir. Grosse dédicace à vous. Bon, allez, on va sortir, suivez-moi, ne faites pas le bazar dans les couloirs. Et on va pouvoir descendre dans la cour. Donc la toute nouvelle cour, hein, du coup, elle a été aménagée. Il y a tous les terrains de sport, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, eh bien, c'est ici qu'on va faire la photo de classe, puisque il y a beaucoup de verdure. Vous allez voir ça. Regardez les amis. Ouais, la cour, elle a grave changé. Ah ouais, avant. Est-ce qu'avant, vous vous rappelez, c'était quoi? Oh, c'était rien. C'était moche, du béton. C'était du béton super beau. C'était moche. Du béton super beau ou du béton moche? Du béton pas bon. Il était super beau. Ah ok. En plus, dans ma pokéball. Ok. Donc là vous voyez, maintenant il y a des petits chemins en pierre qui mènent à une table. Il y a des petits bancs pour s'asseoir entre amis. Il y a un petit coin fontaine là-bas. Il y a un petit coin fontaine. Vous pouvez aussi vous poser sous les arbres. Là-bas, il y a un deuxième coin table si le premier est pris. Et non, vous pouvez pas vous baigner parce que les infrastructures qu'il y a là, le terrain d'athlétisme, la piscine et ce bâtiment-là, c'est tout ce qui est sport. Là, c'est la salle de sport avec les équipements de muscu et les douches, les vestiaires. Et après, là, ça sera pour les cours de natation et d'athlétisme. Donc ça, quand vous êtes en pause, en récré et tout, vous n'avez pas le droit d'aller là. Hein. C'est que pendant les cours de sport. Mais moi, je prends une douche. Camille, qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas un Pokémon. Ah, mais je croyais en fait, c'est à cause de vos cheveux bleus et tout. Mais attends, mais les amis, comment ça, toi tu croyais Black C là? Attends, je suis du même avis, monsieur. Je suis pas un Pokémon, arrêtez de dire ça. Je sais pas parce que j'ai les cheveux bleus que je suis un Pokémon, je suis le professeur. Arrêtez! Je suis plutôt un Schtroumpf. Bon bah, les amis, dites-moi en commentaire si je ressens plutôt à un Schtroumpf. À un humain normal, à un professeur Oxymos ou à un Pokémon. Franchement, arrêtez avec vos Pokéballs, je suis pas un Pokémon. Mais non, il a teint ses cheveux, ça se voit pas. Mais bah, il est né avec, ça se voit. Mais non, mais je suis pas. C'est pas possible d'être né avec des cheveux bleus comme ça. Tu n'es pas avec des cheveux multicolores. C'est pas possible. En fait, il a fait un live et donc il a eu 1000 euros de dons et puis il s'est teinté les cheveux. Vous êtes riche, monsieur. Non, c'est pas la même chose. Bon, mais voilà, mais. Sinon je te capture. Non, arrêtez les élèves là. Oh. Bon, en tout cas, lui, ça se voit qu'il suit bien. J'allais dire pâte au beurre. pâte au sucre. Je crois que tu vas avoir 15 surnoms. Mais tu dois être un abonné fidèle. Tu dois pas être qu'un élève, toi. Ça se voit, tu regardes les vidéos. Bon. J'aime pas Oxymol. Il s'appelle Oxymol, non? Attends, Black C, qu'est-ce que t'as dit là? J'adore Oxymol. Voilà, je préfère. Bon, du coup, là, il faut trouver un emplacement pour la photo de classe. Alors, du coup, c'est à vous de décider l'emplacement le plus beau. On peut se mettre la salle de sport. Non, pas la salle de sport. J'ai fait exprès. Dans un barbecue. Non, pas dans un barbecue. Alors. Je veux bien qu'on fasse un barbecue. Moi, je me serais dit, ça serait cool de mettre des petits bancs ici. Ou même, ouais, près de l'arbre ici. Et comme ça, on se prend tous. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, il faut que tout le monde soit. Non, pas des bancs comme ça, je pense pas. Attendez, on est combien? Mettez-vous en ligne là, que je puisse voir combien on est en tout. Ouais, alors on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est 7, ça va être impair. Donc il en faudra peut-être 3 devant et 4 derrière. Je pense que ça peut être pas mal. 3 devant assis avec des tabourets. Essayez de trouver des petits tabourets assez bas. Non, pas un trône, Sitam. Tu n'es pas. Tu es le pire des redoublants. Tu es un cassos. Tu es nul. C'est pas gentil. C'est des tabourets de cuisine, regardez. Non, c'est trop haut. Il faut que ça soit des petites chaises. Des... Yeah. Ah bah oui, bah asseyez-vous comme ça au pire, c'est encore mieux. Asseyez-vous comme ça. Et les. Donc il y en a 3 qui s'assoient.
Il y en a 3 qui s'assoient devant et il y en a 4 qui sont debout derrière. Arrêtez monsieur, avec vous, votre... votre vous voulez un sushi? Non, moi je veux une photo. Bah tiens, d'ailleurs, Black C. Quoi? Bah voilà, j'allais te demander une caméra pour faire la photo. Vas-y, Black C, passe okay. La caméra. Vas-y. Hop, pour les clips, hop, voilà. Nickel. Bon, allez, il y en a. Essayez de vous mettre bien. Par exemple, là, vous êtes trop assis. Je vous rappelle, il faut qu'il y en ait 3 assis et 4 derrière ouais, mais debout. Non, mais quand ils sont assis, on voit pas. Moi, je me mets debout. Si, on les voit. 1, 2, 3, 4, ça peut être cool. Ouais, là, c'est bien. Donc, il y en a un qui se place entre. Enfin, entre. Moi. Si Tam, tu te places ici. Il y a quelqu'un d'autre qui se place ici. Il y a quelqu'un d'autre qui se place ici. Et il y a quelqu'un d'autre qui se place là. Voilà. Genre, Black C, décale-toi un petit peu vers là. Voilà. Sitam, décale-toi un peu vers ta gauche. Voilà. Bah, du coup, décalez-vous un peu vers la gauche, pâte au sucre et. Non, vers la gauche. Voilà. Un tout petit peu. Encore un tout petit peu pour pâte au sucre. Voilà. Et là, vous êtes bien. Là, vous êtes vraiment pas mal, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Black C, ne t'accroupis pas. Et regardez-moi tous. Voilà. Là, on est pas mal. Black C, regarde-moi. Nickel. Sitam, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, voilà. Et je pense qu'on est bon. Ne bougez surtout pas d'un poil. Je vais mettre un fond derrière vous. Comme ça, on pourra faire, vous savez, pour les photos de classe et tout. Donc, tac. Voilà. Je vais mettre un fond blanc. Ça va être sympa. Tac, 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 tac. Ah ouais, mais je suis un professionnel, moi. On fait du shooting photo. Shooting photo, effectivement. Donc là, prenez la pause. Voilà, ne bougez surtout pas. Regardez-moi bien. Et hop là, c'est dans la boîte. Alors attendez, je vais poser l'appareil photo. Tac, tac. Alors je vais le poser. Allez, pose-toi là, l'appareil photo. Attendez, je dois bien le poser comme ça. Et voilà. Donc voilà, faut regarder l'objectif, c'est important. Voilà, et moi, je continue de prendre des photos. Il faut que ça soit parfait. Donc c'est pour ça que je prends plusieurs photos. Hein. Je prends plusieurs photos. Tac, tac, voilà. Essayez de vous rapprocher un petit peu tous d'entre vous. Genre, essayez de vous rapprocher du milieu. Voilà, serrez-vous un petit peu plus. C'est parfait. Pâte au sucre, serre-toi un peu plus de Sitam. Voilà, Sitam l'a fait. Juste, vous êtes un peu trop collé, Sitam et pâte au sucre. Allez, colle-toi, moi. Voilà. Et Black C, resserre-toi un petit peu. Et voilà. Black C. Ils vont se coller avec du sucre. Voilà, Black C, t'es trop proche de Sitam. Et Eden, rapproche-toi. Non, Eden, c'est bon. Ok, ça bon. Du pâte au sel. Pâte au sel, allez, bah, regardez-moi tous. Et 3, 2, 1. Hop là, cheese. Allez, on dit cheese. Oh là. Je crois qu'il y en a qui vont avoir la voix cassée. Qui a la voix cassée? Bon, bah voilà. C'est exactement ce que je voulais. Donc merci beaucoup. Les photos sont prises et du coup elles vont être imprimées par par le photographe et du coup vous aurez des petites photos voilà. Monsieur, est-ce qu'on pourra acheter les photos de classe? Oui, elles seront au prix de 228€. Quoi? Oh, bien. Mais monsieur, elles sont en réduction. Ma caméra. Ah oui, pardon, la caméra Black C, tiens. Non mais oh. Voilà. Bon bah nickel. La photo de classe est prise et vous allez voir, ça va rendre vraiment super bien. Donc voilà. Bon bah voilà, c'était juste une journée. Oui. Monsieur, il y a Eden qui est partie parce qu'elle se sentait pas bien, elle avait mal au ventre. Ah oui, ok, bah je l'ai même pas vu partir, elle a oublié de me dire au revoir. Elle est partie aux toilettes vomir. Ah oui, ok, donc elle va revenir. Voilà, bon. Ça c'est les pâtes au sucre. De toute façon. Mais non. Ça c'est les pâtes au sucre, c'est sûr et certain. Bon, du coup, les amis, bah voilà les élèves, cette journée est terminée. La semaine prochaine, n'oubliez pas de venir pour l'élection des délégués, pour ceux qui veulent être délégués ou même élire les délégués. C'est important. Au revoir, je mange au tacos. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir, je mange au tacos. Ouais, vas-y, va manger au tacos, Yanis. Et voilà. Bon, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Je vous rappelle, les vidéos RP École, c'est tous les mercredis matin à 10h. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça, vous pouvez regarder les vidéos parce qu'il y a une vidéo qui sort par jour. Donc, vous pouvez toutes les regarder. Et n'oubliez pas, le pouce bleu. La boutique de vêtements qui se trouve en description. Il y aura des nouveaux produits à l'effigie du RP École. Et voilà. Allez, moi, je fais plein de bisous et je vous dis ciao ciao.